sortir de la Deuxième Guerre mondiale, experts et hommes politiques sont persuadés une nouvelle fois que l'appel à l'immigration est indispensable pour la reconstruction. Ils créent donc l'Office national de l'immigration. Initiative prématurée, en fait, le baby-boom assurera le rajeunissement de la population. De plus, les besoins en main-d'œuvre n'apparaîtront qu'au milieu des années 50. Mais à cette époque, la guerre d'Algérie va retenir de nombreux jeunes sous les drapeaux. La troisième grande vague d'immigration n'en aura que plus d'ampleur. Les Algériens arrivent les premiers. Majoritairement originaires de Kabylie, ils travaillent pour envoyer de l'argent à leur village. C'est une immigration ouvrière dite de va-et-vient. Après la guerre d'Algérie, ils retrouvent la Kabylie très appauvrie. Une grande partie d'entre eux décide alors de revenir avec leurs femmes et leurs enfants. C'est le début des regroupements familiaux. Thank you.